Je voulais vous faire une vidéo sur Periscope parce que ces derniers temps il y a pas mal de choses qui se passent sur l'appli qui sont assez assez tristes. Le plus triste c'était il, il y a deux jours quand une fille s'est donné la mort. Mais avant ça il y a eu même je sais pas, des, des jeunes qui disaient voilà, au bout de 50 personnes qui se connaissent à l'application, on se met à frapper des gens dans la rue, euh, et donc il euh, y, 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 y a un mec qui s'est fait taper à Bordeaux, je crois. Euh, sinon, il y a eu des employés d'SFR qui ont dit, euh, deux employés qui étaient là à dire, euh, s'il y a tant de personnes, euh, on bousille ce téléphone-là. Donc voilà, il y a pas mal de choses euh, qui se passent sur l'application. Et donc j'essaie de comprendre euh, pourquoi. Pour, pourquoi il y a ces trucs-là. Je pense que... Euh, alors dans toute cette vidéo-là, je ne vais pas faire ma réflexion par rapport... À ce qui s'est passé il y a deux jours, parce que je considère que c'est un cas à part, euh, parce que c'est un cas plus grave. Euh, je veux plus euh, m'intéresser aux, aux, aux délinquants, quoi, un petit peu, euh, euh, donc les, les mecs des Sfr ou, ou les mecs qui, qui ont frappé d'autres gens dans la rue. Et je pense que ce qui est recherché, en tout cas ce qui a l'air d'être recherché, c'est un peu l'audience. Quand on dit à partir de tant de personnes je fais ci, ou alors j'ai même vu des trucs genre à partir de tant de personnes je monte mes seins, etc il y a une recherche d'audience. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'on recherche, mais en tout cas, tout se passe comme si on cherchait ça. Okay Et j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi on recherche l'audience Je pense qu'on a vu ensemble, euh, avec la vidéo sur Hegel, hein, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là, euh, que euh, bah, finalement, la reconnaissance de l'autre, en tout cas le, le fait que l'autre nous voit, euh, ça, ça nous rapporte à notre propre existence. Donc c'est une manière de se sentir exister il y a ça et il y a aussi euh, la célébrité je pense que le mode de vie des célébrités euh, se voit et ça peut donner envie euh, et puis même ça peut, on peut vouloir passer à la télé à la radio etc c'est pas pour rien qu'on utilise le mot percé par exemple quand on dit à percer c'est comme s'il y avait une sorte de plafond invisible et qu'on arrivait à passer au travers de ça donc c'est une forme en fait de réussite euh, dans le langage en tout cas euh, donc c'est peut-être ce qui est recherché aussi, et vu qu'en plus ça a l'air de plus en plus accessible, parce que euh, les gens qui sont célèbres euh, bah, sont un peu comme, euh, comme vous et moi, tu vois, de plus en plus on se sent proche d'eux, notamment avec des outils comme euh, Periscope, etc., Snapchat et compagnie, vu qu'on se sent proche d'eux, on se dit, bah, pour, pourquoi pas, peut-être que ça peut, euh, ça peut les attirer plus, euh, et en plus ce qu'il y a derrière, euh, la volonté suprême, euh, je pense, euh, qui se cache là, c'est celle de l'immortalité, c'est celle de... Euh, Passé, euh, passé dans l'histoire, quoi. C'est un peu comme Érostate, qui avait brûlé le temple d'Artémis à Éphèse, qui est euh, une merveille du monde antique, et quand on lui a demandé pourquoi il l'a fait, euh, c'était pour la célébrité. Il l'a clairement dit. Après, je pense que c'est pas euh, la seule raison qui peut pousser à faire de la merde euh, sur Periscope, je pense que parfois c'est juste un prétexte. C'est comme euh, quand tu t'embrouilles avec un mec dans la rue, et il y a des gars qui se font frapper euh, juste parce que il l'a il mal regardé. C'est genre, ouais, euh, je vais donner une droite, il m'a mal regardé. Ah non, en fait, t'avais juste envie de te frapper et euh, t'as pris comme prétexte le fait que le mec t'a mal regardé. Soit. Mais euh, tu vois, c'est plus une recherche de prétexte qu'une motivation en soi. Alors du coup, est-ce que tout ça fait de périscope un outil de merde Alors Moi je pense pas. Ça me fait penser à la vidéo de John Rashid il euh, y, y a quelques semaines ou il y a quelques mois, qui, qui a fait une vidéo sur du périscope pour dire euh, à quel point c'était naze, et qu'il n'y avait aucun contenu culturel ou intéressant, etc. En fait c'est faux Genre par exemple, il y a une semaine ou deux, il euh, y a une journaliste qui a fait un live periscope depuis la Corée du Nord inédit incroyable c'est la première fois qu'on voyait genre la Corée du Nord en live euh, sur internet en tout cas moi c'était la première fois que je le voyais et j'étais pas le seul il y a eu la nuit debout aussi genre il euh, y a un mec qui a fait des périscopes euh, sur nuit debout euh, qui ont battu euh, les records en euh, France d'affluence sur périscope c'était dingue et même euh, dans une moindre mesure bah, mes live périscope à moi euh, souvent je fais euh, de la lecture genre euh, Schopenhauer des trucs comme ça où on lit un texte ensemble et on l'explique euh, et euh, franchement, ça, on passe un, un bon moment quoi. Euh, ou alors l'autre fois, c'était sur euh, des notions de marketing, enfin, je trouve ça intéressant. Periscope, c'est qu'un outil, du coup, ça dépend de ce qu'on en fait. Quoi. Et du coup, vu que c'est un outil, euh, c'est assez intéressant parce qu'il permet de révéler certaines choses. Moi, je pense que premièrement, et c'est un des trucs les plus importants, il nous permet de voir qu'il y a un manque d'écoute quoi. Euh, si tu as des personnes qui se mettent sur Periscope euh, en recherche d'attention, etc c'est peut-être parce que ces personnes-là, euh, elles peuvent pas s'exprimer d'une manière plus simple, et que euh, finalement, c'est des personnes qui sont isolées. Est-ce que ça révèle pas un besoin de célébrité, parce que la célébrité nous paraît de plus en plus accessible aussi Et je trouve aussi intéressant euh, de voir qu'en fait, on nourrit notre ennui par quoi que ce soit, quoi. Genre, t'as des mecs qui sont euh, hyper balèzes, qui te font des scénaristes et tout, qui te font des séries de ouf, des films de ouf, des albums euh, incroyables avec des puissants d'artistes, etc., et toi tu préfères t'ennuyer sur périscope bah, C'est révélateur d'un truc quand même, tu vois. Ça te montre à quel point le voyeurisme euh, a une place importante. Et c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif, parce que le voyeurisme, si tu prends le truc à la base, c'est quand même la curiosité pour les autres. C'est la curiosité pour autrui, tu vois. Euh, moi, c'est un peu de ça aussi qui me pousse à essayer de comprendre comment marche le monde, comment marchent les hommes, etc. C'est un peu de ça, tu vois. Bon, après, il y a une manière de le faire évidemment, mais je peux pas blâmer quelqu'un euh, qui a ce côté voyeuriste. Je peux pas le faire parce que je l'ai aussi en fait, mais d'une autre manière. Un autre, un autre problème que Periscope met en avant, c'est qu'en fait le live, c'est un métier. Tu vois, gérer un live, c'est un métier. Je pense que c'est très facile euh, de se retrouver devant euh, des gens, de vouloir euh, les euh, les divertir, tu vois. Et donc du coup, putain, il faut que je trouve un truc, il faut que je trouve un truc à faire, un truc immédiat, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile et immédiat euh, de faire du mal que de faire du bien. Hein. Donc, euh, je pense que euh, euh, ça, c'est un point qui est, euh, qui est critique dans la gestion de Périscope. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aurait commis les mêmes actes sans Périscope Et je parle pas du suicide parce que pour moi, c'est beaucoup plus complexe. Mais je parle des autres actes dont euh, je vous ai parlé vite fait. Euh, et donc, est-ce qu'on aurait commis ces actes sans Périscope Et si la réponse est non, est-ce que Périscope est responsable Et bien, en fait, pour moi, Périscope n'est pas responsable. Tu vois, si tu veux, c'est. Euh, c'est périscope, n'importe qui peut y aller, c'est le, le principe. C'est comme si tu avais un village et tu mettais euh, une scène au milieu. Et euh, genre, euh, n'importe qui peut monter sur la scène, donc il y a différentes scènes pour qu'on puisse le faire en même temps, etc. Et donc les gens passent et ils s'arrêtent, ils regardent, etc. Tu vois. Si un mec fait de la merde, tu vas pas en vouloir à la scène. Tu vois ce que je veux dire Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Hérostat, pour faire son incendie, il a pas eu besoin de périscope. Tu vois ce que je veux dire Il y a des choses qui sont incroyables à faire avec périscope. Et oui oui, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas trop de culture, il euh, n'y a pas de, trop de divertissement de qualité pour l'instant sur Periscope, mais parce que c'est le début. C'est euh, une plateforme qui vient de se créer et genre, ça met du temps à, à mûrir, quoi. C'est comme sur YouTube. Plus on avance dans le temps et plus on a des trucs hyper niches, hyper pointus, euh, des chaînes de, de vulgarisation de trucs, tu vois, genre, il y, y a des chaînes de zététique par exemple, enfin, tu vois, genre, il y a un haut niveau, tu vois. Je voulais quand même vous exprimer ça parce que euh, je trouve que dans, dans les médias il y, y a très peu en fait de, de défenseurs un petit peu de, de l'application, alors que moi je pense que c'est un truc incroyable. Il euh, y a énormément de choses à faire avec. Euh, c'est un superbe outil. Et, et voilà, comme tous les outils euh, qu'on met aux mains de l'humanité, il ben, euh, y, y a des trucs qui sont dégueulasses avec. Et, euh, mais c'est pas de la faute de l'outil. Encore une fois, c'est juste que ça révèle des choses sur nous, sur notre humanité, et ça révèle des problèmes qu'on a peut-être pas forcément envie de voir. Euh, en rapport avec, euh, avec notre nature. Je pense que vous avez compris mon point, c'était juste une, euh, une petite euh, vidéo euh, très rapide de réflexion euh, à voix haute, parce que bah, ça m'a fait travailler un petit peu cette histoire. Du coup, je vais résumer ça en un seul tweet. Périscope n'est que ce que l'on en fait, il révèle des caractères propres à nous, il rend une forme de faiblesse plus facile et visible. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner vos théories, vos impressions, ce que vous, vous pensez dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que par exemple périscope est responsable euh, donc euh, bah, n'hésitez pas à, à donner vos arguments et à, et à expliquer pourquoi etc et, euh, et voilà voilà euh, on se revoit bientôt et euh, je' fait sur un coup de fil mais j'avais envie de faire cette vidéo donc euh, voilà je rem, je me remets sur, sur le coup de fil ciao